C'était marrant. Bonjour. Oui, je laisse bien sûr Vanilla Ice derrière. Mais je vais couper parce que on a écouté quand même très peu la musique au final de ce jeu. C'était une catastrophe. Oui, bah, c'est pour ça que je suis resté d'ailleurs. Mais après, je me suis endormi dessus. J'ai pas pu dire au revoir à Neossa. Quelle honte, quelle honte. Il a du mal avec les apostrophes, ah bon. Ça a bugué? L'affichage du chat? Ah, attends, regarde. Ah là 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 là. Attends, je l'affiche là. Ah oui, indeed. Ah mais ça c'est parce qu'on joue trop, on est trop français pour un outil américain. Bon, alors c'est censé fonctionner. Raving Bell, je vais te montrer du coup. Je te fais un shot-out, attends. Parce que voilà, cadeau. C'est pareil chez tout le monde. Ah, sympa. Du coup, il y a un petit problème. Bon, voilà, c'est pas trop un problème, j'espère. Si c'est juste ça. Alors, du coup, pour pouvoir jouer à plusieurs, je crois qu'il faut. Alors, du coup, moi, je vais continuer. Je vais faire un jeu en équipe en faisant Y. Voilà, je crée un groupe si j'ai envie. Je n'ai pas de compte Epic. Ah oui, c'est vrai que tu n'utilises pas Streamlabs, indeed. Parce que moi, je suis sur Game Pass, hein. Donc si tu veux, on peut essayer. Je vais voir ce qu'on peut faire. Créer un groupe. Alors, je le fais bien sûr ici, hein. Je clique, ça ne marche pas. Donc j'associe un compte Epic. Ah oui. Ouais, attends, parce que de toute façon, faut que je lie un compte Epic et je crois que j'ai pas mon lien. Donc voilà, on va continuer solo, hein, j'ai envie de dire. Non mais de toute façon, c'est justement, c'est pour voir aussi les petits problèmes. Non mais... que je lis le tuto? Je crois pas, hein. Ah si, c'est les attaques en l'air, j'ai du mal. B puis X. X plus A. B plus X. Ça, c'est le combo que je n'ai pas regardé et que, voilà. Alors, bien entendu, on va jouer Michelangelo, j'allais dire Donatello, mais non, pas du tout. De toute façon, si je dois chercher mon compte Epic, ça peut prendre 500 ans, hein, donc t'emballe pas, hein, à part si tu veux m'inviter, je te rejoindrai du coup. Mais je sais même pas si c'est faisable. Donc du coup, on était au 10. On débloque un peu. Quelques vies sans moins. Il paraît que la musique est bien de ce jeu. On pourra checker. Alors, ça commence mal. Voilà. Mais c'était loin, hein. Donc je reprenne des habitudes de combo. Voilà. On va jouer avec VLC. Bim, 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 bim. Oh non, la roue avant. Faut monter là. On peut monter.
Oh, j'ai tout le monde, j'ai évité tout le monde. C'est génial. Là, il y a un truc là. Tu vas voir ça? Non? Go! Et ils vont sortir des cartons, je les connais. Voilà. On se rapproche de Krang, je pense. Voilà, donc part, part. Trois robots vaincus. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas regardé les défis et je me suis pris une roue avant. Lancer les ennemis pour casser une caisse, clan de foot. Ok. Et il faut que je ne passe blessé plus de 3 fois. Par obstacle. Donc là, je peux casser la L. Mais je peux pas lui lancer dessus. Faut que je lance quelqu'un dessus là. Ah d'accord. Je joue comme ça. Ok. Aïe. Ça c'était un obstacle j'imagine. Oh. L'ordinateur. Ça coûtait assez cher à l'époque. Venez ici. Faut que je vous lance sur, le, sur la caisse. Des nouveaux. Oh là là, ils ont l'air bons. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive plus à jouer. Je ne vois plus les distances. Qu'est-ce qui se passe? Oh là, ça peut plus. Oh là là. En plus, c'est nul comme attaque qui me fait. C'est juste que j'arrive pas à éviter bien. Oh, il m'a attrapé. Voilà. Mais c'est séparé, j'en peux plus de ces... Je sais même pas quelle est la touche jaune, je regarde pas ma manette, moi. On peut casser ça. Faut que je lance quelqu'un sur une caisse, s'il vous plaît, bonjour. Faut que je lance l'un de vous. Voilà, c'est bon. Une cassette. Attends, il y a une cassette. Attends. C'est vrai que j'ai débloqué des trucs en faisant deux chapitres la dernière fois. C'est vrai. Mais il y a une pizza là-haut. Attends, il y a une pizza. Merci. Ça a l'air stylé. C'est plutôt stylé. Ouais. La musique est plutôt bien. C'est vrai que j'ai un peu trashé la musique avec Vanilla Ice. Et c'est un bon jeu d'arcade. En plus, assez accessible parce que les jeux d'arcade, c'est vrai que des fois, c'est difficile. Au niveau des enchaînements. Et là, en fait, c'est exactement ce qu'il faut. Pour ma personne en tout cas. Et en plus je joue avec Michelangelo qui est normalement pas le plus équipé pour taper les gens. Hein. Oh non, j'étais derrière la hitbox là. Une page de tuto, c'est trop pour toi. Non, il y a 21 pages, sérieusement? J'ai même pas fait attention. Pour ne pas dire, je n'ai pas lu. Bah, c'est tout, bien entendu. Hein. Mais oh, non! En plus, là, il est en train de me spammer. Petite taunt, peut-être. Une tente. Pour récupérer un peu de matière. Voilà, merci. Casse les télés. On récupère la petite pizza.
Et Totem. Oui, bah oui, bien sûr, je me fais attention. Et pourtant, hein, je me suis entraîné hein, pour Floppy Knight. Hein. J'ai joué à Fire Emblem. Bon, après, c'est parce qu'on en avait parlé et tout, je cherchais le nom la dernière fois et du coup, maintenant, je peux te donner. C'est Fire Emblem qui est sur le principe de la triade d'armes. Donc, du coup, t'as le principe de la hache, par exemple, un certain style d'attaque. Donc, je crois que c'est les lances. Que l'épée gagne Non, l'épée gagne contre la lance. Voilà, c'est une sorte de pierre-feuille-ciseaux géant. Non, non, c'est cool. J'ai fait tout le premier chapitre. Donc, je croyais que c'était toute l'histoire. En fait, c'était le tuto, normalement, qui dure 7 heures. Donc, j'ai fait un tuto de 7 heures quand même, hein, faut le dire. On joue un Fire Emblem. H, long, CPE, H, voilà, exactement. J'ai joué 7 heures et je me rappelle pas, tu vois. Du coup, après, je me suis dit, ah, c'est pas le personnage principal, la dame, qu'on joue. Eh ben non. Le personnage principal, c'est bien nous. Où on est conseiller de tactique de combat, stratégiste dans l'âme. Après, du coup, on accompagne un prince qui était moins intéressant. Du coup, j'ai pas continué, j'ai commencé à demain le soir. Parce que je me rappelle aussi que le tuto de demain le soir fait au moins 500 ans. Voilà. Et à demain le soir, c'est pareil. C'est enfin pas pareil dans le sens de la triade, mais. Voilà. J'aime bien, de toute façon, ce genre de jeu. C'est juste que. Ouais. Mais non! Pourquoi? Attendez, il doit y avoir une pizza là-haut. Non, non. Une pizza quelque part? J'ai besoin de vie. La hache casse la lance a une meilleure range que l'épée, et l'épée est plus agile que la hache en gros. Oui, c'est ça. Ah bah voilà une pizza, je me disais bien. Attendez, c'est un boss. On danse un peu avant. Tête d'acier, techno-tortue. Alors c'est une tortue qui fait de la techno, bien entendu. La blague était arrivante. Elle a du PV, cette tortue. Ouh. Traversons ce terrain miné. Ah, mais bien sûr. Et que je me tue. Mais non, mais... Putain, y'a une bombe là, je peux la prendre? Non. Mais j'ai pris c'est en diagonale que tu tapes gars. Hein. Mais... Oh là là. Elite, t'es en critique, reviens! Mais non! T'es dans la deuxième phase et c'est pour ça que tu vas plus vite. Oh là là, il s'est barré à ce moment-là. Ah, il est totalement dans cette deuxième phase. On est dans Elden Ring, tout va bien. Oh là là. Je pouvais taper le... de vie. Pas très bien. Non, on va devoir... Je vais pas finir encore mon boss derrière la caméra. Viens ici. Viens ici. Voilà. Mais oui. Oui, les tortues sont tes amis, bien entendu. Tu es une techno-tortue. Viens dans l'équipe des tortues. Ouais, donc c'est clairement Krang, notre boss final des internets. Ouais. D'ailleurs, j'enlève la cam à ce moment-là, je crois.
Donc on est au chapitre 11, normalement. Mais on va aller voir Irma, parce que je crois qu'on a fini d'aller chercher ses journaux intimes. Oh oui! Je veux absolument. Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir une sorte de petit passage sur les rails de métro? Voilà, nous avons fini ça. Du coup, il lui manque combien de cassettes à lui? You've got to find my VHS tapes. Et toi, il te manque combien de trucs? C'est bon, on a terminé. On n'a pas vu April encore, hein. On arrive à Central Park. Ah oui, c'est le comment s'appelle? Le Triceratops. Est-ce que dans Fire Emblem il y a aussi la technique des Nunchaku sur Reste en vie pendant longtemps. Pour les lances. Ah là là, il m'a fait un coup de traître. Oh, j'essaye de t'attraper. Voilà. Ça, c'était pour Ring Bell. Je vous connais, hein. Je vous reconnais. Vous sortez un peu de l'ordinaire, les Triceratops, hein, quand même. En plus, vous avez un graffiti foot derrière, donc comment vous dire? Oh là là. La charge dans la tête. Tu me dis, hein, si tu arrives à. Je sais pas si le compte épique est nécessaire pour les deux personnes. Si jamais tu veux stacker un peu. Je veux pas qu'il me tire dessus en fait. Ok, il arrive là. Hop là. Ah, une cassette. Voilà. Ah, il y a une défense. Hop là! Hop là! Ah bah voilà! Ça va, ils prennent bien les coups, hein. Oh non! Mais non! Oh, mais laissez-moi passer! Enfin, bim. Une petite pizza, s'il vous plaît? Non? Voilà. Non? Petite pizza? Oh non, c'était des méchants cachés dans une boîte! Je peux pas les attraper. Ok. Oh là là, le petit coup dans la. Eh, faut pas les louper, hein. Faut rester au sol avec eux. Bestiole dégoûtante. Okay. Ah oui, mais je sais toujours pas à quoi ça sert, quoi. Des méchants cachés dans une boîte, des managers, exactement. Devant, hop, on jette un. Une barre de puissance ninja, ah bon? Alors ça c'est bien ça. Nouveau coup débloqué, mode radical, appuie sur RB. Salut Sigil! J'espère que ça va. Merci d'avoir follow ce méga jeu. Si jamais vous avez une demande spécifique de Vanilla Ice, n'hésitez pas, on peut écouter. Un éclat de cristal. Tiens.
Alors, on voit pas les trucs qui sortent. Hein. Oupla, ça c'était pour moi. Ah, mais j'ai une double. Attendez, parce qu'il faut que j'essaye le RB à un moment. Pourquoi ça? Danse. On essaye le RB. Non, toujours pas. Mode radical, ça n'existe pas. Special delivery. Bon, venez, 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 venez. Ah non, venez pas. Mais non! Oh, j'ai plus de vie. Ça va être chaud. Voilà, je suis dead. I'm so dead. Mais je suis toujours vivant. Parce que c'est un jeu d'arcade. Et voilà. Oh, on a sauvé Dask. Les animaux. Les tortues. Les crapauds plutôt. Grenouille. Il m'énerve. Pas. Tu m'énerves vraiment beaucoup trop. Bon, le mode radical, c'est quand tu veux. Hein. Vu que j'ai pas lu, j'imagine que c'est dans pas longtemps. Oh! Il y a le symbole de. Alors, c'est ça le mode radical? Attendez! Ça a l'air d'aller, hein. Salut. Il m'a enlevé ses protections. Captain Zorax, ses protections de pique. Ah bah non, apparemment non. Le gars qui danse devant lui. J'en peux plus de moi-même. On lui a bien entamé sa vie. Ni vu ni connu, on passe là. Ich. Oh non, il y a toute sa clique. Oh là là. Hit. Voilà. Voilà. On l'a eu. Tout ça grâce à nos petits pas de danse, ni vu ni connu. Est-ce qu'on se mettrait pas du Vanilla Ice Vitoff? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Avec le remix de les deux chansons en même temps, c'est un peu dur. Un peu dur les deux. Je comprends. Bon bah du coup, est-ce qu'on a toutes nos VHS? Je crois que c'était 3, il nous en manque 2, non? Il nous en manque une plutôt. Ça va pas marcher. Ah oui, c'est la mouche. Et on commence à arriver dans les tréfonds. Et ils ont des ventouses. Pourquoi ça avance pas là? Ah, c'est le tue pas ça. Ouais. Non mais je les aime pas eux. Je les aime pas, ils sont pas marrants. Ah.
Viens. Allez. Mais j'ai pas le... Petite danse, non? Mais... Ils sont totalement bloqués là avec leur... Voilà, prise, bim, bim, bim. Et là, il y a l'électricité. Je connais là, les douilles, faut pas toucher l'électricité. Voilà, je le savais. Et juste pour être sûr, bien entendu. Ah, mais ça, je peux casser. On se croirait dans Street Fighter, c'est génial. Du coup, je peux enlever l'électricité, c'est trop bien. Mais... Attendez, je triche. Ah ah! Tu ne t'y attendais pas à ça. Attrape-le! Attendez, parce qu'on n'a pas fait les trucs là. Ne pas se faire blesser plus de 4 fois, bah c'est dead. Vaincre 10 robots en utilisant des attaques sautées. Dead. Vaincre 5 ennemis en utilisant coup puissant. Ah oui, non, mais je n'utilise jamais le coup puissant. Ça, c'est faisable, hein, mais il faut que je le fasse plus longtemps. Ok. Là, par exemple. On va faire que les coups sautés déjà. Ouais, c'est fait. Bien sûr, je mâche toujours les mêmes touches, hein, on va pas s'embêter. Voilà, c'est fait. 10 attaques, c'est bon. On continue, quoi, comme c'est... Parce qu'on est, on est bien protégé en vrai. On est là. Y a une pizza, on va aller la chercher. Voilà. On a fait nos devoirs. Je vais pas marcher sur ça. Si vous croyez que je vais marcher sur ça, loin de moi. Par contre, tu peux y aller si tu veux. Hein. Je vous empêche pas de ne pas y aller. Voilà. Voilà, je suis ici. Oh, j'ai fait une... Mais je savais pas qu'on pouvait faire ça, j'ai fait une ruée. Ah non, c'est peut-être parce que je me suis pris le coup. Je me suis propulsé, je sais pas. Oh, ça c'était un obstacle, c'était considéré comme un obstacle. Oh. Ah, c'est bien ça comme attaque en vrai. La sauter plus Y, c'est bien, hein. Ça tape bien. Hein. Oh là là, les coups, s'il vous plaît, les sabres, ça c'est des sabres, ça. Non, on est d'accord. Parce qu'en nomenclature d'armes, on est d'accord. Ah d'accord. Allez vite. Ouais, j'ai plus de vie, comment je fais? Voilà. Ça pue du cul leur truc là au milieu. Allez. Je me barrage de ça. Oups. Et c'est quoi ces bombardiers là? On peut plus. Je fais toujours les mêmes attaques en l'air. Hein, parce que, hop, comme ça c'est fait. Pas si mieux ni connu. Voilà. Oh! Vous avez vu? Il y a eu un petit passage où le trou était devant.
Méchants, ils sont en train de se peinturluer derrière. Alors j'ai reçu un message, qu'est-ce qu'il me dit le message? Ok. Ouais. Si je ne réagis pas, voyons. C'est normal que ça se passe pas mal. On peut le taper? J'ai l'impression. Il faut que je lis mon compte épique, Bane. Et après, on pourra jouer. Ah, je peux renvoyer les trucs. C'est une fois sur 6, c'est pas mal. Allez, Maxi Power. Trop bien. En fait, le mode un joueur, alors je sais pas, je pense que j'ai joué en mode facile, hein, il doit y avoir un mode plus difficile. Mais bon, est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. On est à 58 coups là. Tantôt. Ah, ça sert de faire plus. Ça m'énerve ce truc là. En plus, c'est derrière la cam. Quel enfer. Pourquoi tu te mets là? Petite danse. Ah, le fameux. Bon, on va faire que des attaques sautées, hein. Écoutez. Oh, joli. Petite danse. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh non! Il y a une pizza, je prends. Je prends la pizza. Je veux bien prendre la pizza. Merci. Voilà. On est là. Ouah, c'était les trois. Et là, je devais faire quoi là? Je fais quoi quand il y a les trois? Je vais là-haut? Attendez. Voilà. Mais t'es dans le coin! C'est quoi ce perso? Non mais, y a pas moyen de s'en sortir à part sauter, hein, j'imagine. On va essayer. Il y a le double saut en plus. Il s'est encore mis dans sa bulle, quel enfer! Voilà, c'est le double saut, ok. Ok. Mais non! Il va encore mourir derrière la caméra, j'en peux plus de ces bases qui me mordent derrière la caméra, derrière le logo. Petit remix mais magnifique, hein, quand même. Cowabunga! The old dome has seen better days. Est-ce que ça reprend la trame du film qui est sorti récemment, le dernier là? Je vais juste faire une pause vite fait, faut que j'aille aux toilettes, je reviens, à tout de suite.
Je viens de capter que qu'en fait je monte des niveaux dans Michelangelo. Paraît logique, hein, vu qu'ils me disent à chaque fois oui, vous avez eu des points supplémentaires. Mais tant mieux. Je suis actuellement niveau 9. Petite caméra. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche impeccable. Alors, nous étions. Ben on arrive dans le Central Park. Ah oui! Ah oui, d'accord. Zone balard à fond. Bien. C'est Technodrome qui... Technodrome. On va baisser un peu. Ah, c'est un peu trop baissé. Ah, attendez, parce que là, voilà, ma manette qui déconne. Voilà, par rapport à ma voix, ça devrait être bon. Hein. Qui sont ces personnes? Et pourquoi en fait toujours de ce côté-là en fait? Un guerrier de pierre vaincu en utilisant une super attaque. Super, alors attendez. Lancer deux ennemis dans des trous. Alors faut que je trouve des trous. Essayez. Quoi ce faisceau lumineux là? Je vais aller foncer sur lui. Derrière, voilà. Là on est mieux. Ah oui, c'est ceux qui ont les kunai. Ah là 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 là. Ah bah j'ai trouvé la dernière cassette, voilà. C'est bon, on peut aller voir notre cher René, je sais plus comment il s'appelle là. Mais où sont les trous? Non mais c'est des guerriers de pierre de fer. C'est des minerais. Ils lancent des grenades, quel enfer, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'ai réussi à te suivre, mais c'était bien. Là, je touche personne, quel enfer. Ouais, c'est ça en fait, faut que je jauge mes traversées, quoi. Oh, il m'a mis un coup quand même. Hein. Une petite pizza, s'il vous plaît. Oh non, pas eux. Pas infernal à tuer. Voilà. Je vais mourir à cause de ces trucs là. Ouais, c'est infernal. Tu les tapes 6 fois, ils sont toujours en protection. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ce caca? Laisse-moi le taper, lui là, il m'énerve. Regardez-moi, c'est pas possible cette histoire. Voilà, il est mort là, même pas. Oh là là. En fait, l'enchaînement du saut sauté, de l'attaque sautée est pas mal. Il y a un trou là, est-ce que c'est un trou ça?
Purée, quel enfer. Y'a rien qui va. Mais non! Bah bien sûr! Non mais... Ah, ils sont touchés. Très bien. Je veux. Je me suis barré direct. Là, il y a des trous. Allez, venez. Je vais prendre la vidéo, les gars. Mais là, il y a un trou, là. Laissez-moi jouer avec les trous. Oh là là. Il n'y a même pas des trous, ils marchent dessus, ils s'en foutent. Oh, le coup à l'arrière qu'il avait pré-shot. Quel enfer. Ok, super. Bon bah reste là-haut. Ah, tu as une protection en plus. Il a pris là ou pas? Non, je suis même pas sûr. Oh là là, je l'ai pris ça. Il a pris le coup avec son bouclier, mais quel enfer! Oh là 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 là. Ouais, faut les gérer, hein. Ils sont durs. Je pense que la meilleure attaque avec eux, c'est vraiment l'attaque sautée. On va faire que ça. Bon. Voilà, c'est fini. Toujours en deux vies, hein. Pourquoi tu pars comme ça, Michelangelo? Voilà, ça y est, on a trouvé notre technique. Pareil pour eux, là, ils m'en supportent, j'en peux plus, en fait. Ils me fatiguent. Ah, il l'a pas pris, là. Là, je l'ai pris. Aïe. Regardez-moi tous ces coups là que je l'ai mis. J'en peux plus. Viens. Un chais. Bah, bien sûr. Déjà, ça c'est fait. Hein. Mais... C'était pas du tout ce que je voulais faire. Ouais, c'était ça que je voulais faire. Petit pas de danse et on continue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non, mais ça va être encore des trucs électriques. Ah mais ils prennent. Il y a un trou! Il est tombé dans le trou! Viens! Là, t'es dans le trou, non? Parce quoi le jeu? Mais venez! Que t'es dans le trou? Viens! Voilà. T'es dans le trou. Non. Mais oh, vous êtes pas marrant! T'es dans le trou.
Mais je suis censé vous faire sauter dans le trou, les gens. Venez. Regardez, je suis en bas. Mais, oh là là, ils meurent comme des bêtas. Mais, c'est moi qui vais mourir. Pars dans le trou. Bon. Ça va se passer. Bah, je suis mort. J'ai essayé. J'ai essayé de vous faire de faire plaisir au jeu. Je suis même pas sûr qu'il ait lancé deux ennemis dans le trou. Bah, il en reste un. C'est toi. C'est toi. Viens. Viens. Tu es mort tout seul. Comme un. Caca. Ah, mais je suis tombé. Non. Waouh. Ça joue sérieux. Oh. Là, il y a un trou, il y a un trou, il y a un trou, il y a un trou. Viens. Viens. Mais non, mais c'est pas le trou ici. Oh. On a décidé qu'on faisait ça, hein, je vous rappelle. Je les aime pas du tout. Toujours pas de trou. Ah, c'est la fin. C'est le boss. Metal Shredder. C'est vraiment Metal Shredder, c'est notre premier combat Shredder. Hein. Chrome Dome, ok. Ok. Bah, ma foi. Ça fait plaisir. Il a pas pris les coups que je lui ai donnés. Quel enfer. Qu'est-ce qui se passe? Mais. Non. Je suis là. Oh. J'aurais pu le taper là. C'est mon frère. Le gros point là. Oh là là. Reviens en bas. Oh là là. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Mais il a même pas pris le coup. Oh là là, quel nul. En fait, faut que je garde le truc. Oh, voilà, je suis mort. Faut que je garde la bombe au milieu. The Pearl from Ninja Revenge. Alors, ça, faut le garder. Il arrive après. Viens, descends, descends de ton perchoir. Mais. Nick. Descends. Je vais pas se faire avoir à son propre jeu. Mais quel enfer. Descends. Je veux pas descendre. Il veut vraiment que je lui explose son truc. Vas-y, explose. Bon, je peux descendre, hein. Mais il prend pas les coups, quoi. Il prend pas les coups. Je prends ses coups, par contre, mais il prend pas les coups. Et là, il va... Hop. Là, il va amorcer son pied de l'enfer humain, hein.
pour faire exploser ça. Voilà, merci. Oh, purée, il était à un point de vie, j'en peux plus de lui. Et des gros mots, pardon. Vous avez réalisé la quête spéciale de Vernon, on a des visites pour obtenir une récompense. Ben, on va aller voir Vernon. Ouais. Et après, on va aller voir du côté de la tanière des tortues, mais je sais plus ce que c'est du côté de la tanière des tortues. Vernon, il est là, hein. Il est au bout du monde. Peut-être qu'on débloque des trucs avec les points en fait. Hein. Non, on est passé ici, oui, on a fait ça. Allons à la tanière, on va voir. Non mais ça c'est tous les trucs que j'ai débloqués, on s'en fiche. Journal de fitness, vas-y montre. Oui mais ça c'est juste pour savoir. Ça, c'est toutes les capacités, journaux. Ça, c'est les gens qu'on a trouvés. Ok. Ça c'est nos stats en fait. Je vois pas à quoi sert les points du coup. À part dire vous avez gagné ton point. Les objets trouvés, ouais, il y en a qu'on oublie. Hein. Ah, c'est la tortue. Comment ça s'appelle? Ah, c'est les tortues à pic là, comment ça s'appelle? Oh non! Ah, moi aussi, c'est bon, tu vois. J'ai oublié qu'il y avait des passages volants. Mais attends, je monte là? Ah oui, d'accord. Attendez, on va recommencer. Lol. J'avais pas vu qu'il y avait un défi en plus de faut éviter les astéroïdes dans ta tête. Recommençons. Lost Arch Enemies. Feels like we're in a video game, dude. Et ouais, on dirait qu'on est dans un jeu vidéo, exact. On est censé éviter tout ça. Hop. Mais quand... D'accord, c'était ça qu'il fallait faire. Excusez-moi, je découvre. On était pas loin en plus de l'arrivée. Hein. Ah, c'était que ça le monde. J'adore ce genre de monde. C'était que ça. Je le ferai méthodiquement quand on fera en groupe. Oh, mais non mais attends, c'est pas possible hein, t'as mis tous les coups de ta vie. Non mais sérieusement? Je pense que c'est la première fois que je vois cette attaque, quel enfer. Ils sont peut-être plus vénères les violets, je m'en rappelle plus. Le rocher avait l'air spé. Je vais tout casser, hein. Moi je veux trouver tous les objets hein, aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais... On sait faire quoi? Mais c'est une pizza... mal mangée? Pourquoi ce truc, c'est une vraie... c'est une pizza mutante? Marc, c'est logique, hein, y a des mutants. Quel enfer. Oh, y a des petites tortues dessinées. Mais comment tu veux qu'on les bousille, eux? Mais regardez-moi ça! Ils sont dans l'eau, dans l'air. Bon, je sais pas, bref.
Non mais si je m'acharne sur les décédés déjà, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, t'es obligé de te faire prendre des coups, quoi. Enfin, pas forcément obligé, parce que c'est moi aussi qui fais des bêtises, mais... Ils vont vite, quand même. Voilà, en fait, c'est ça, c'est les sauts... Vous avez même pas vu comment tu veux qu'on prépare les choses là. En plus quand ils sont dehors quoi, c'est vraiment quel enfer. Comment on les a eu ? Là c'est un trou là, il y a du magma là. On connaît les Bay. Je monte dessus, je suis dans le caca. Ah non mais c'est carrément un homme rocher, excusez-moi. Voilà, ça c'est fait. Not so fast, hombres. Mais oui, mais... Fallait sortir avant, monsieur. Enfin, la minerai, plutôt. Regardez-moi, il veut pas rester en... Déplace-toi, j'en ai marre. Pourquoi t'es tout en bas? Bon, vas-y, sors, quand tu veux. Quand tu veux. J'ai pris le coup ou c'est mort? Ah, et en plus, il balance des grenades, j'avais oublié cette histoire. Quel enfer. Et quand ils sont en charge? Ok. Je prends le coup. Ouais, c'est ça. C'est la base. C'est bon ? Ah ! Ah ! Ah ! Les combats chiants. Oh ! Ça, c'est un objet que je veux trouver. Attendez. C'est bon, je l'ai ? C'est quoi ? Ah, c'était une référence à Indiana Jones, c'était la boule. Excusez-moi, je sors, je débarque. Oh là là, le coup en scred. Je ne t'aime pas. Mais je vais mourir, les gens, laissez-moi jouer. Mais tu n'es pas un objet trouvé, hein, on est d'accord. Hein. On va se mettre derrière. Hein. Oh, ils sont 6 derrière, ils sont... Excusez-moi. Mais en plus, je prends les coups quand ils sont là. Oh ben on va taper ça. Hein. C'est aussi obvious la première fois qu'on les voit. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Slash tortue tordue du démon de l'enfer. C'est Donatello méchant. Je lui mets une petite fessée avant de partir. Mais pourquoi nous on fait pas ça nous? Ah tu vois, regarde, nous on fait ça nous. Et il fait quand même ses attaques, c'est genre juste au cas où.
possible. Mais c'est pas possible, il continue. Voilà. Oui, j'avais oublié que il y avait la crêpe. I've been trashed. Mais non. Tu n'as pas été trashé. C'est vrai que ça, c'était un terme des années 90, ça. Ils font des trucs bizarres aujourd'hui. Bon, on n'a pas trouvé les objets. Ah mais si, c'était le mec alors du coup. C'était le truc jaune, je sais pas. Ah non mais c'est Krang ça. Non, c'est pas ça. Pas le robot là. Bah si. Le cerveau est là. On a même pas dansé. Voilà, on est parti. Ah mais j'ai 3 niveaux, excusez-moi. Je suis sur moi. J'ai 3 attaques spéciales. Ah non mais pas eux. Eux ils sont pas marrants. Eux ils sont vraiment pas marrants. Ah bah il est déjà dead. Grâce à mes super triple attaques. J'ai oublié. Non. Voilà, c'est bon. Faut viser le gars en haut. Deux ennemis tués en utilisant un piège, bah très bien. Tout se passe bien, hein. On va où? En bas? Ah, d'accord. Oh non, pas eux! Oh non, mais il y a tous les enfers là. Oh là là. On va rester en mode attaque en l'air. Hein. Même. Descends par contre, ça serait bien de descendre. Merci. Toujours derrière la caméra. Hein. Ah mais il y a des pics. On va rester là. J'ai réussi à survivre à ça. Hein. Vous voyez le miracle. Hein. Toujours utiliser les pics, hein, bien entendu. On est dans ce game là. Voilà, part. Ah, par là-bas. Ah, il reste là-bas. Voilà. C'est de l'organisation. On essaie de juste de ranger les gens de façon à ce qu'ils aillent automatiquement du côté des pics. Bon, ça va. On attend les pics. Oh là là. Où ça pue du cul. Thanks, dude! Go! You suck!
Oh, il y a vraiment tout le monde. Qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Partez! On vous aime pas! En plus, il y a les. Mais. Allez en haut, moi je suis pas le top. Je cherche des objets, bonjour! Mais il y a toujours les pires! J'en peux plus! Oh non, mais non, mais y a aucune raison que vous soyez là. Pizza de l'enfer. Pizza ananas. Ah! Mais j'en peux plus. Il est où? J'essaie de trouver une autre technique pour pouvoir les avoir, mais c'est... Ouais, bah, bien sûr. Mais non! Fallait pas que je me fasse attraper! Ma technique était bonne, alors, du coup. Quel enfer. Ah. Ah, salut. Bon, rien qui va, hein, de ce moment. Ok. Y'a aucune raison hein, que l'explosion passe au-dessus d'eux et qu'il les touche. C'est vraiment gratuit. Je vous aime pas du tout. Je vous l'ai pas dit. Mais vous aussi en fait, hein. Salut. Invincible, oui, ben je me doute. Trong, le cerveau des opérations extraterrestres. Oh, il s'est disloqué. Mon dieu! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quel enfer de jeu. Donc toujours pas être du côté des pieds. Hein. Aïe. Là par contre, c'est évitable. Et ça par contre, ça c'est l'enfer. On peut l'aider à se recoller plus vite, j'ai l'impression. Je l'ai pas touché là. Ok, excusez-moi, bonjour.
Ah, c'est bon là, je t'ai touché ou pas? Ah, merci. Krang. Et battu. Tu es tombé dans ma diversion. J'ai une surprise pour toi. Ah, ah, ah. Pourquoi il n'y a pas les sous-titres? J'ai pas demandé des sous-titres dans le... Ah bah tiens, Shredder. Is that the final boss? Prêt à prendre sa revanche. Donc, voilà, donc c'est la fin. Oh, vous êtes trois? J'attends qu'il y en ait un qui fasse de l'électricité. Il a masse de vie. On est là pour te taper, je serai, t'inquiète pas. Hein. Ah oui, s'il y en a trois, par contre, c'est compliqué. Ouh là là, les combos là. Non mais. On va faire notre attaque préférée. Les attaques sautées. Lol. Donc c'est celui d'en haut, hein, normalement. Mais je vais mourir. Vas-y, c'est comme d'habitude. Je vais me dire que c'est celui d'en haut qui était... Ah ouais, apparemment. Non mais les enchaînements, c'est fat, c'est cool. Ah, donc c'était pas lui. Bon. Et c'est toujours pareil en fait. C'est qu'il manque très peu. Il manque toujours très peu. Et du coup là je suis mort à la fin. Donc là je pense que le défi, je sais pas si c'est sur l'ensemble ou pas. Tu n'as rien vu encore. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Parce que Shredder, voilà. On l'a vu passer. Et en plus, il est 20h30, je voulais m'arrêter à 20h30, donc ça fait 1h30. La requête des neutrinos. C'est quoi les neutrinos? Ils ont demandé quoi? C'est où? Ils sont où les neutrinos? Allons voir la requête des neutrinos, parce qu'on a un peu avancé. Où sont les neutrinos? C'est là? Non, ça c'était pour trouver les... Attends. On n'a pas trouvé tous les insectes dégoûtants? Ah non, il en reste... il en reste encore deux. Ok. Où les neutrinos? Parce que moi je me rappelle plus où je les ai vus. Hein. That's a good question. Est-ce que ce serait pas là? Enfin, là. Bah non. Comment je peux avoir un défi? Je comprends pas. Bon, est-ce qu'on irait hoster plus que raider parce qu'on n'est pas beaucoup? Qui c'est qu'on va aller voir? Risque de finir d'ici peu, je sais pas moi. On va aller voir un docteur Pierre. Hein. Voilà, hop. Qui vient juste de commencer, je pense. Bon, see you soon. Merci pour ce petit passage. Bien entendu, je vous mets la musique à la fin, c'est sûr, de toute façon. En coupant la musique du jeu, ce serait bien aussi d'ailleurs. Comment qu'on fait déjà? Je sais plus comment on fait pour couper la musique. Par en quittant. Fais quelque chose. Oui, je veux quitter la carte du monde. Voilà.
Non mais il y a de la musique ici aussi. Bon, je quitte. Enfin, salut. Et je vous mets la musique. Salut, à la prochaine. Merci d'avoir été dans le coin. Vanilla Ice, on the go for you.